le bruit, il est en bas ou il est en haut? Oh! Avec Cyril Hanouna, la mission que vous avez faite là, apprendre ou à laisser. C'était bien? Ouais, c'est très 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 bien. Je pense que vous avez gagné quand même. Ouais, on a gagné, c'est cool. C'est une très très bonne émission. Le seul truc, c'est qu'on ne pensait pas rester aussi longtemps dans cette émission. Et on est resté pratiquement 4 à 5 mois. C'est énorme. Fallait pendant ce temps, il fallait s'habiller tous les jours différemment. Trouver quelque chose à dire. Fallait être tout le temps différent. Tu vois. Quand on était dans le jeu, on s'est dit, petit, j'espère qu'on va sortir du tableau. Et en fait, ça, tous les jours, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Et jusqu'au jour où on est passé... Ça vous a énervé le fait que vous ne passiez pas? Bah, ouais. À un moment donné, oui, ça fait bien. Parce que tu dis, oh, c'est quoi ce karma? Tu vois des gens qui viennent d'arriver dans le jeu. Et ils sortent au bout de 6 émissions. Et toi, t'as fait 60 émissions et t'es toujours là. C'est compliqué, tu vois. Mais par contre, le jour où on est sorti, j'étais dégoûté. Ouais, ouais. Je voulais rester. Ouais. Parce qu'en fait, une fois que t'es sorti, tu te dis, bah nous, maintenant qu'on est sorti, c'est fini. On se dit, c'est terminé, on a pris l'habitude. Et même, c'est bien, tu vois, un tournage, c'est trop bien. Non, mais en fait, on n'avait pas savouré autant au début, tu vois. Au début, c'était stressant parce que c'est nouveau, tu vois, t'as la caméra sur toi, tu sais pas trop quoi dire, tu sais pas trop quoi faire. Du coup, t'es un peu en retrait, tu te dis merde, franchement, faites-moi passer, comme ça c'est terminé le truc, tu vois. Vous avez fait combien au total? 60 émissions. 60, ouais. Mmh. C'est bon, hein? Et voilà. Et vous avez fait combien, pour toi? Sur les réseaux ou sur les gens dans la rue? Les gens dans la rue, dans la rue. Ouais. Ah, par exemple, dans la rue, les gens nous reconnaissent. Beaucoup. Beaucoup, ouais. Il y en a, tu vois, qui t'ont reconnu et ils disent pas, tu vois. Ouais. Et t'en as d'autres qui te le disent déjà, c'est encore plus gratifiant, t'es content, tu te dis, ah. Eh, les objets sont trop bons. Tu sais, c'était une meuf Uber. C'était une meuf qui m'a fait aller à Uber. Ah ouais? Ouais. En France, il n'y en a pas beaucoup des meufs. Eh, mais je trouve le sushi avec le pika. Il n'y en a pas beaucoup en France qui vendent des pâles. Non, il n'y en a pas. J'en ai jamais vu. Mais bon, même les pâles, c'est quoi? C'est un rat. Comment quoi? Et le poulet là-bas. C'est fin en plus. Ah, j'ai goûté les tacos parce qu'en fait, c'est chaud les tacos. Mange les tacos d'abord, non? Je sais pas, y a... Vous sentez pas l'odeur? Non. T'es d'accord? Oui. C'est peut-être l'herbe de quelque chose. Merde. Y a un odeur qui est fort. C'est le persil? Peut-être. Oui, c'est le persil. Je sais pas, c'est l'odeur qui me chou. Il y a un truc. D'ailleurs, plein de Français. Plein de Français. Là-bas? Là-bas, dans la rue, il y a plein de Français. Pourquoi les Français aiment bien l'Espagne comme ça? Moi je pense parce qu'il fait bon y vivre quand même, tu as vu commencer. Quand t'as marché, j'ai pas vu une personne fumer. Tu vas à Paris, tout le monde fume. Mmh. Ouais, c'est stressant. Ça vous arrive seulement de vous discuter? Mmh. Tous les jours. T'as revu? Mais c'est des petites disputes. Non, non, des fois c'est des grandes disputes. Mmh. Je trouve que c'est laquelle d'entre nous deux qui est la plus difficile. Mmh. Vous avez deux. Des fois, après, il y a pas de. Ce type qui. C'est la même chose. Alors là. Des fois, elle peut me saouler à mort, des fois, tu me saoules à mort, mais pas en même temps, c'est ça qui est cool. La tenue. Est-ce que tu l'as mis sur LinkedIn? J'ai eu 400 vues. J'ai jamais eu 400 vues. Ah ouais? Ta photo, elle était bien. Les fesses que tu m'as. Je sais pas comment t'as fait. Que des mecs. Mais tu sais qu'en plus sur LinkedIn, il y a beaucoup de mecs qui envoient des messages. Ouais. Ah ouais, ouais. T'as jamais reçu. Une fois, on avait mis des vêtements, tout ça, et il y avait plein de mecs, coucou, ça va. Mmh. Je me suis dit, mais putain, je veux même prendre la tête. Pas moyen. Juste le corps. Juste le corps. Moi, c'est pire que des charbons, ça. Salut, ça va. Est-ce que je peux avoir ton Facebook? Ah ouais? De français. Il y a un truc qui est plus. Vous le sentez pas? Non. Tu sens pas un truc fort? Ben, c'est le bœuf en fait. On ne sait pas ce que tu. Sens. Il y a une odeur. Sens, pour moi, c'est. Ah. Tu vois, on va te poser une vraie question. Mmh. Une vraie question. Vous parlez d'amour, d'attachement, de béguin, je sais pas quoi. Mais déjà, est-ce que vous savez c'est quoi l'amour déjà? Non, mais tu penses savoir. T'as ta propre définition de l'amour. Elle a sa propre définition de l'amour. Personne n'a une bonne définition de l'amour. Tu sais, il y a une connexion qui se fait. Automatique. D'accord. Ça, c'est toi pour toi, c'est ça l'amour. Voilà. Et toi, c'est quoi l'amour pour toi? L'amour pour moi, c'est. Attends, laisse-la parler. C'est tu vois une personne, c'est comme un peu un coup de foudre en fait. Tu vois une personne, voilà. Et tu sais. C'est comme si cette personne, tu le connaissais depuis longtemps. Connexion. Tu vois cette personne, tu sais que c'est
cette personne. Voilà. Tu le sais. Tu peux être avec la personne que tu l'as rencontrée qu'il y a une heure, mais tu vas avoir des réactions en une nuit. Comme si c'était longtemps. Voilà, comme si ça faisait 10 ans, 15 ans que vous tu parles avec lui de façon, c'est pas gênant, tu rigoles avec lui comme si tu... Si quelqu'un vient et vous voit, ils vont dire, mais ça fait un moment que vous... Voilà. Donc, alors pour ça, c'est ça l'amour. C'est, en gros, l'amour pour vous, c'est la connexion entre deux personnes. Voilà. Ça me... Il n'est pas gêné. Il va pas se constiper. Voilà. Limite même, bon, je déconnerai, mais par exemple, il va péter et tout là et. C'est ça, c'est ça. Oh, tu vois. C'est au début, pas ça. Voilà, mais tu laisses quand même. Au début, il veut très bien. Alors qu'il y a des mecs, même tu lui donnes de l'argent, ça te fait pas mal. L'attachement. Oui. L'attachement, c'est pas la même chose que l'amour. Mais alors, d'accord. Oui. Mais tu peux être amoureux et attaché aussi en même temps. Moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, il y a, trois âges adjectifs. Mmh. Mais vous dites que ça c'est différent de ça, que ça c'est différent de ça. Et moi je vous dis mais on peut que ça plus ça est égal à ça. Lui, tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Et donc ça c'est quoi? C'est pas de l'amour. Hein. C'est du quoi? De l'attachement. C'est de l'attachement. C'est pas de l'attachement. Si, c'est de l'attachement. Non, pour moi l'attachement c'est parce quoi? Qu'en fait, c'est...